J'ai passé ange et beaucoup pour Emira au téléphone. Qui lui a dit qu'il attend son argent. J'ai passé DJ Billy qui avait mobilisé les rappeurs. Il a fallu que Tumbaminka meure. Que j'écrive au président pour lui dire qu'on devait 2 millions de francs à Tumbaminka de cachet. C'est là comment payer la ils ont payé immédiatement. Que je perçois les 2 millions de cachet. Ça veut dire quoi? C'est un groupe de tueurs. Ils ne vous aiment que quand vous êtes mort. Vous comprenez? Il faut que tous les artistes meurent pour qu'on puisse les payer. Ou bien qu'ils puissent garder l'argent des gens. Et quand je vois des gens comme des Monoyolo, c'est par respect que je ne peux pas dire qu'ils sont des minables. Okay. Monsieur le coordinateur, le coordonnateur. Non, c'est quoi, on a dit qu'il est droit là parce qu'il a eu un terrain droit là. Mais je peux me fâcher et lui montrer que s'il a de l'eau dans la bouche, ou si c'est, s'il a des urines, ou si dans ses caca, il y a de l'eau, je peux lui montrer quelque chose de mauvais. Je ne veux pas seulement me fâcher. Tu comprends? Parce que s'il me connaissait bien, s'il savait que je suis le petit-fils de Dika Wangé, il ne saurait pas ce qu'il veut dire. Je suis descendant de Dikan Pondo. Ma grand-mère s'appelait Bertou Pondo. La fille de Dikan Pondo. Qui a signé notre traité germano-camerounais. On ne doit pas me traiter n'importe comment ici. Romeo. On ne doit pas me traiter n'importe comment au Cameroun. Romeo. Je me suis beaucoup tué. Et je ne veux plus qu'on me traite n'importe comment. On a compris. Aussi Pongo Peniga. Non, non, non. Je ne veux plus. Je veux qu'on me traite selon mon rang dans ce pays. Romeo, mes grands-parents. Mon grand-père et Bakadi Kapierre étaient dans l'Ombania quand on a amené Paul Biya dans l'eau. Mon grand-père et Bakadi Kapierre. Romeo. Tu comprends? Romeo. Donc je ne peux pas me fâcher. Romeo. Moi, je remercie. Ne me poussez pas à me fâcher. Je remercie mes grands-parents parce que. Ils disent qu'ils font la sorcellerie. Ils font si, les petits choses, les francs-maçons. Je peux leur montrer qu'ils ne sont rien du tout. Si je suis entré à Paris 1, c'est grâce à mon grand-oncle Dika Akwa. Son fils vit encore la voisine. Non, et Odette et tout le monde. Ils ne valent rien. Ils n'ont pas mérité la place parce qu'ils ont milité. Ils ont mérité par les affaires de famille. Ils ont milité où? Ils ont milité où? Il était directeur de la division des organisations non gouvernementales. Il a milité où? Il a milité où? Moi j'ai milité. J'ai travaillé pour Doumbouya pendant 10 ans, gratuitement. Pendant 10 ans, j'ai travaillé gratuitement pour la RDPC. J'ai sorti mon argent. J'ai eu quoi? En récompense. Parce que je suis un Douala et les Douala ne représentent rien aux yeux de Paul Biya. Tu comprends? Il peut envoyer qui veut. Je dis ce que je pense. Monsieur Charlemagne, mais ça gagne. Si vous ne voulez pas que je vous roule le coup de poing ici, ne m'appelez plus secrétaire. Si vous m'appelez encore secrétaire, je vais me fâcher. Et ça, je vous le dis. Ne m'appelez plus secrétaire, sinon je vais devenir. Je vous montre que je suis un journaliste bon et que je peux être sauvage. Ne m'appelez plus secrétaire. Je suis mis dans ce travail de Paul Biya. Je suis un opposant à Paul Biya, tout simplement. Ne m'appelez plus secrétaire, vous m'énervez. C'est pas parce que vous manquez de respect. Charlemagne, je suis ton grand frère. Charlemagne, je suis ton grand frère. On va marquer une pause et on revient. Oui, vraiment.